Je suis arrivé à la station spatiale de Voss. L'obscurité étouffante attend. Fury, Voss est une planète étrange. L'Empire et la République rivalisent pour obtenir le soutien de la planète dans la guerre. Les Voss se méfient des étrangers. L'accès à la planète est restreint. Il vous faut l'autorisation d'un officiel pour débarquer. Nous avons contacté Dark Serevin, l'émissaire essayant de gagner les faveurs des Voss. Il croit que vous venez l'aider. Que sait-il sur moi et sur ma mission? Rien. Aidez-le si vous voulez, peu importe. Vous rencontrerez peut-être des Voss connaissant vos intentions. Ils maîtrisent la force, et certains ont des visions sur le futur. L'interprétation des visions Voss n'est pas toujours correcte. C'est vrai. Il y a des années, quand l'Empire a appris l'existence de Voss, l'Empereur a envoyé l'armée pour assiéger la planète. Les visionnaires ont contrecarré ce qu'ils ont vu comme une simple tentative de conquête. Mais l'objectif de l'Empereur était d'enlever un visionnaire Voss pour accueillir la voix de l'Empereur. Alors ce visionnaire est la preuve que Dark Barras n'est pas ce qu'il affirme être. La furie a compris. La véritable voix est venue en pèlerinage pour découvrir la nature d'une grande présence du côté obscur sur Voss. Personne n'en a entendu parler depuis. La voix est réduite au silence. Vous devez suivre les traces de la voix, découvrir ce qui lui est arrivé et la libérer. Peut-être que la voix a été tuée. La voix ne peut pas mourir. Si le corps de son hôte mourait, l'essence de l'Empereur serait libérée et nous reviendrait. La voix ne peut jamais être perdue. La voix cherchait un ermite Voss appelé Madagaru. Pour demander à rencontrer Madagaru, la voix a dû allumer des signaux dispersés à l'extérieur de Voss-Ka, la capitale Voss. Cet ermite est la dernière personne à avoir vu la voix. Découvrez ce qu'il sait. Soyez le bienvenu sur Voss, étranger. Pourquoi cherchez-vous Madagaru? Il détient un savoir dont j'ai besoin. Un objectif louable. Madagaru va vous rencontrer. L'endroit est révélé. Je suis Madagaru. Je suis apparu au signal. J'apparais ici. Je vous reconnais. Un autre est déjà venu. Un Voss du côté obscur, comme vous. Vous avez été le dernier à le voir avant qu'il disparaisse. Expliquez-vous. Je ne lui ai fait aucun mal. Je l'ai aidé. Comme je peux vous aider. Sur Voss, tout ce que l'on obtient a un prix. Vous devez partager un secret, n'importe quel secret. Je n'ai pas le temps de jouer. Dites-moi ce que vous savez ou vous allez le regretter. Vous n'avez pas son pouvoir. Vous ne pouvez pas me forcer à quoi que ce soit. Sur Voss, vous devez obéir aux règles Voss. Vous allez payer pour ça. Impossible. Vous ne pouvez pas. Le prix a été payé. Celui que vous cherchez m'a forcé à lui révéler les secrets Voss. Je n'ai rien pu faire contre lui. Il est allé dans la chambre du cœur noir, dans les terres de cauchemar. Vous devez le suivre. J'espère pour vous que vous ne mentez pas.
Vous avez demandé mon aide. Mais seuls les Vos peuvent entrer dans le cœur noir. Votre prédécesseur s'est enveloppé dans la bénédiction d'unité. Sans elle, un étranger ne peut même pas trouver l'entrée du cœur noir. Vanaxo peut vous accorder la bénédiction dans le sanctuaire de guérison. Pour la trouver, allez voir Fadit Ki et réussissez les épreuves Vos. Je vais forcer la porte du sanctuaire. Vous devez affronter les épreuves, ou votre voyage s'achèvera. Partez, obtenez la bénédiction au sanctuaire de guérison. Je vous guiderai quand je pourrai. Respectez les traditions Vos, ou vous n'aurez jamais accès au cœur noir. Vous êtes Vanaxo? J'ai besoin de la bénédiction d'unité. Est-ce que je vous interromps au milieu de quelque chose? Mon chagrin empêche ces mots d'empirer. J'ai entendu votre demande. Mais vous n'êtes pas un Vos. La bénédiction accorde des privilèges. J'hésite. Vous me faites crier à l'intérieur. Donnez-moi ce que je veux. Ou vous crierez aussi à l'extérieur. Je me rends utile. Mais pour recevoir la bénédiction, un sacrifice doit être fait. Pour soigner, je dois canaliser la force. Je ne ferai pas une chose pareille. J'ai besoin de ma force. Tout a un coût. C'est ainsi chez les Vos. Soumettez-vous et je vous bénirai. Donnez-moi la bénédiction ou vous mourrez. J'accepte. La bénédiction d'unité est à vous. Vous êtes béni. Je dois retourner à mes soins. Respectez Vos. Vous êtes béni. Vous pourrez voir la porte menant au cœur noir. Pour déverrouiller la porte, vous allez devoir acquérir le pendentif de l'os. C'est le membre de commando Bidegva qui le possède. Son camp se trouve sur le territoire Gormak. Il combat les chefs Gormak. Dites-lui de vous donner l'os. Je cherche Bidegva. Votre espèce a le sentiment que tout lui est dû. Vous ne l'avez pas mérité. Que pouvez-vous bien vouloir à Bidegva? J'ai besoin de son pendentif de l'os. Son talisman? Il est ancien mais n'a aucune valeur. Alors ça ne lui fera rien de s'en séparer. Il a une valeur sentimentale. Bidegva se bat contre les Gormak. Il ne sera pas de retour avant que leur chef soit massacré. Cette campagne va durer des mois. Vous allez devoir attendre. Je ne vais pas attendre.
Je vais me charger des ennemis de Bidegva moi-même. Ensuite, je pourrai le rencontrer. Vous vous faites des illusions. Les chefs Gormak sont brutaux et bien protégés. Je vais vous indiquer l'endroit, et je ne vous reverrai plus jamais. L'étranger est de retour. Vous avez tué les chefs Gormak. Vous voulez mon talisman. Pourquoi ? J'en ai besoin pour accéder au centre du cœur noir. Vous êtes fou. L'os ne m'a jamais rien donné. Ça pourrait être l'occasion. Si vous le voulez, il va falloir m'aider. Vous avez tué les chefs ennemis, mais leur leader est encore en vie. Neutralisez-le, le talisman sera à vous. Ne soyez pas trop gourmand. J'ai déjà fait ma part. Pour me rencontrer ? Pas pour le talisman. Je ne tolérerai aucune autre condition. Vous possédez maintenant la bénédiction d'unité et le pendentif de l'os. Je vous ai guidé. Maintenant, je demande votre aide. Je dois vivre dans votre corps, prendre contrôle de vous. Vous ne changerez pas et ne sentirez rien. Vous laissez me contrôler ? Vous avez perdu la tête. L'équilibre doit être respecté. Ainsi, je suis le demandeur. Vous avez le choix. Si vous acceptez, vous serez récompensé. Acceptez. Je n'ai besoin de votre corps que quelques instants. Désolé, ça dépasse ce que je suis capable d'accepter. Alors, je ne suis plus votre guide. La bénédiction dévoile la porte pour la chambre du cœur noir. Le pendentif la déverrouille. Pour accéder au cœur noir, allez voir Murbeggen dans les terres de Cauchemar. Il est l'un des vôtres. Fais pas peur si facilement. Alors, mourrez. Pas plus près. Abandonnez. La mort incarnée. La mort en personne. Furie, venez à moi. Je suis votre empereur. Dark Barras tire les ficelles. Il m'a fait venir ici en sachant que ce corps serait prisonnier de cet endroit. Je ferai payer Barras pour tout ce qu'il a fait. Ma libération est primordiale. Les secrets obscurs de Selmakor sont importants, mais ils vont attendre. Je dois être libéré. Je reviendrai un autre jour pour ce dont j'ai besoin. Vous ne pouvez pas abandonner ce corps ? Je ne serai libre que quand ce corps sera mort. Une erreur que je ne ferai plus. Mais, pour le moment, Selmakor rend mon suicide impossible. Je vais baisser ma garde, et vous devrez tuer ce corps. J'obéis à vos ordres. Je suis prêt. Abattez-moi. Mort ! Prisonnier pour toujours.
Oh,